Bien bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Fire, j'espère que vous allez bien. Nous continuons la séance chill sur World of Warcraft, Wotelka, avec notre démoniste, Démonia. Alors je suis toujours explosé, j'espère que vous allez bien les amis. Moi je suis toujours malade, mais ça va mieux j'ai l'impression, toujours un peu la voix d'une adolescente. Et c'est vrai que... c'est assez vénère. C'est plutôt très très vénère. Alors, je suis niveau 66, que j'en ai profité un peu pour jouer... bien hors stream, hein, je vais pas vous raconter de conneries. Moi, je suis en repos maladie. Déjà, je ne devrais même pas streamer... vu l'état de ma voix. Mais... on va faire comme on a fait hier, à savoir... faire quelque chose de très chill, sans prise de tête. Hier ou avant-hier. Je sais plus, quand je suis malade, moi j'ai plus la notion du temps. C'était peut-être avant-hier. C'était peut-être avant-hier. Donc on va faire ouais, sans prise de tête, on va faire des petites quêtes et tout, genre on va s'amuser, tu sais, truc improbable. Donc on a bien avancé, hein, sur Burning Crusade. Ça va quand même très vite, hein, on va pas se mentir. C'est l'avantage. Quand on arrivera sur Northrend, par contre, ce sera pas du tout la même chose. C'est le moment d'en profiter. C'est le moment d'en profiter, très clairement. Ah, qu'est-ce que c'est chill de jouer démoniste, putain de merde. J'ai enfin vidé mon inventaire, parce que... il y a un moment, il était en... vraiment en très mauvaise... très très mauvaise situation, mon inventaire. J'ai tout envoyé à un autre personnage, parce qu'on n'a pas accès aux HDV des capitales sur... sur Burning Crusade. Arme gangrénée. Hors de la cavale. Je sais pas exactement ce que je sais faire. Je suis juste censé buter des mecs. Initié Tissor, mais j'en ai pas vu. Les tirailleurs ici, c'est une bonne chose. Donc j'ai envoyé un tas d'items à un personnage qui est sur Orgrimmar et je me suis empressé de tout vendre. Et ben j'ai fait un sacré paquet de thunes. Atis là, oula. Une petite quête d'escorte à l'ancienne, comme ça on va pouvoir mourir. Et
n'a que 2000 de vie, t'es sérieux? Oh oui, il a pas un gros gauche et droite. Oh oui. Donc tu peux voler de la vie, voler de la mana, régène de la mana en échangeant de la vie. C'est trop trop bien. On a pu faire quelques donjons de Burning Crusade, autres que les remparts naturellement. Donc j'ai vérifié le niveau de ma chasseuse aussi, Eve de la Nuit. Elle était 65. Elle était 65, donc je l'ai dépassée que là récemment. Je pensais l'avoir dépassée avant. Ce qu'il faut. Je tenais à le préciser. Parce que c'est important pour moi. Ça, c'est vrai, j'ai vérifié. Je crois que j'ai raconté de la merde. Les marques de Kid Jaden sont des objets de réputation. Ils sont juste à d'autres endroits. Hein. Avant que l'ombre, c'est ça le nom des quêtes. Ils sont dans d'autres endroits. Merde, misclick, putain. Et puis j'ai une super nouvelle baguette. Une superbe petite baguette. Ça c'est bien. Puissance descend de 15. Prendre la mana. C'est quoi la différence? Tenir en main gauche. Ok, il y en a un, c'est un god michet rose, l'autre c'est un god michet bleu. Non, rendez-vous dans la tombe. T'es sérieux? Drapé d'Arunen. Trois de ces objets sacrés. Putain, on en vient de la tombe, vous faites chier. Classique. Voilà. Et le pire, c'est que j'ai eu le parchemin sur ces connards. J'imagine que c'est au bout de chaque aile. Thank you.
Sois gentil. Je rends 400 points de vie par tick, c'est vraiment démentiel. Je veux pas dire, c'est le grand garde qui fait le gros du taf. Hein. Je me contente de balancer des malédictions. Merci, au revoir. La musique fait très Diablo 2. Pour tous ceux qui ont connu, je vous salue. Décrit à 700 mon Vorgegard, c'est un monstre. J'ai pas vu le troisième objet par contre. Parfait. Oh, même pas une lentille. Même un petit objet là? Non, juste une malédiction. Super. Ah non, c'est encore les spawns.
Ah ah! Je t'ai devancé sur l'agro. Qui sait qu'elle est recon maintenant? Perdu un peu de stats, mais j'ai gagné de la puissance des sorts. J'approuve. Bon, limite des bois, c'est quoi? Parce que j'avoue que je pige pas. Protecteur infesté. D'avoir un pétre. Ne serait-ce que pour le foot en mode agressif, j'ai pas envie de claquer de la mana pour 5 pauvres merdes. Et de faire tout manuellement la baguette, ça va une fois, deux fois. Il tape comme un camion, hein, le gang, regarde. Putain, mais il n'y a pas du tout de mythe. J'adore les quêtes aléatoires comme ça. Sur récompense. Mais genre, j'en ai tué genre 6, et aucun n'a fait spawner des mythes en crevant. Ces créatures, tu tuais les mythes qui sont fuyants de leur carcasse. Bon, mais d'où ça a fonctionné? Je vais pas ratiboiser le monde entier pour ces connards là. Rien de très nouveau jusque là.
Ouais, c'est ça. Dans le tombeau, la recherche de ces malheureuses victimes de l'erreur au Pokémon mérite. Ok. Ils sont pas fichés, ils ont dupliqué la cave. Hein. Feignasse. Fantôme d'araignée. Non. Ah si, drainé vengeur. Oh. Double suçage de vie. Ah, c'est drôle, ils ont l'ancienne animation du drain de vie, les monstres éthérés. Là. Oh putain, il a tiré le monde entier. Moi, je suis un support à ce stade, non? C'est bon, regarde qui me carry full.
Ah puis j'en ai profité pour me mater Saw X. Le dernier Saw qui était sorti en 2023. Un peu déçu. Il est pas nul à chier, mais... La résolution sur les épreuves, il y a des trucs... Je vais pas dire j'ai pas compris, mais en fait... Si... qu'un mec réussisse ou foire une épreuve, en fait, il n'y a aucun lien entre eux. Pourtant... tout le fil rouge fait que toutes ces personnes sont liées entre elles par quelque chose. Je vais pas en dire plus, parce que le film est... Ouais, c'est entre guillemets. J'étais même pas au courant qu'il était sorti, donc déjà j'étais là, je fais oula. Déjà c'est un premier signe en général que ça pue. Mais je m'attendais à un gros boost parce que après Spiral, franchement, j'ai. Il y a une partie de moi qui est... qui a décédé par rapport à la licence. Il y a un truc qui est mort, moi. J'étais déjà méfiant. Et en vrai, bah non, ça va. C'était pas naze au point de me révulser, parce que Spiral vraiment a laissé une marque indélébile sur mon âme. Autant le X, ça va. J'ai vu pire. C'est là le problème. Alors, il y a plein de drainés vengeurs. Et pour les néo-tomes anciens, faudra les faire dehors, je pense. Ah non, il y en a deux là. Oh, let's go. Merde, c'est les morts vivants et on peut pas les faire fuir. Et voilà qui est extrêmement fâcheux. Ah, mais quel connard! J'avais plus de mana et inconsciemment j'ai. Oh, je suis giga loin, mon dieu! Et inconsciemment j'ai appuyé sur connexion. Je me suis dit, mais non, je fais une connexion, c'est bon, je récupère ma mana et je bois ma potion. J'avais déjà bu une potion. Mais pourquoi avoir foutu un cimetière aussi loin et autant hauteur? Ah, mon dieu. C'est pas grave, je vais pouvoir continuer ce que j'étais en train de dire. Ouais, donc méfiant. Et y a des incohérences aussi dans le scénario, la façon de faire et tout. Tu sens que l'acteur qui joue Jigsaw, il est fatigué, John Kramer. Hein. Pas autant qu'Amanda, mais tu sens qu'il est au bout de sa vie. Hein. Sans mauvais jeu de mots, vu que le personnage a un cancer. Pour ceux qui n'ont pas vu Saw, hein, c'est un peu pour ça que... Il en a un peu rien à battre de tout. Non, t'es sérieux, ça commence à respawn. Mais vu que j'ai fait l'entrée avant, putain. Qui ose m'invoquer? Non. Drainer, on est bon. On est pas bon sur le...
Ah là là. Oh putain. J'ai pas maintenu le contrôle. Non dead. J'ai même parfait mon bœuf, bas les couilles. Il nous en manque combien encore? Bah c'est bien, bah, parfait. Il s'est porté candidat pour une mort expéditive. Merveilleux. Ça c'est des balles par contre. Tu es des petits sorts de la cavale. Il y a pas le gros. Ah bah si, voilà, il est là. J'allais dire, il est où le gros dragon dégueulasse? Il s'en est qu'il y avait. Faut que j'en bute 4 de ces connards. On va essayer de les initier. Deux. Le DPS de l'engin, quoi. Et encore, je joue pas au petit, hein, parce que y a des gens qui m'ont dit que j'aurais dû prendre. Initié tisseur, parfait. J'aurais dû prendre l'aspect pour spammer les brûleurs d'âme. Et j'ai pas fait parce que ça ne tentait pas du tout. Et apparemment, ça fait partie de la rotation la plus opti. Et donc, bah moi j'ai mis 0 points dedans parce que je trouvais ça chier. Et il se trouve que. C'est bon, on a tout. Ouais. Et il se trouve que bah, ça fait partie de la rotation la plus. La plus potente. Tu fais des oisillons magnifiques. C'est magnifique les oisillons. Donc, ouais! Faudra peut-être que je respé, que j'aille prendre mes sorts. Ça fait une éternité que j'ai pas pris mes sorts. Je crois que j'ai pris aucun de mes sorts de Burning Crusade pour vous dire à quel point ça fait une éternité. J'ai vraiment joué comme un gros no life. Je suis pas allé plus loin que ça, sincèrement.
Mais c'est qui ce connard? Ah mais ils vont, vous allez tous venir en parlant, c'est ça. J'aurais joué n'importe quelle autre classe, je l'aurais eu dans l'os, mais genre fois 1000. Faire des oiseaux. Attends, j'ai pas compris parce qu'il y a écrit 1 sur 3. J'ai buté les oiseaux. J'ai buté les oisillons. Racheter 3 oisillons. Vous dites? Pourquoi je suis un 1 sur 3. Casser les œufs prématurément. J'ai 1 sur 3. Après j'ai buté des connards là, ça se trouve faut... Ça se trouve c'est eux qu'il faut descendre. Redim 1 sur 3, F maudit. Vas-y, on racheter. Ouais, c'est ça, faut en ouvrir jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'il y en ait qui. De 5 qui sortent. Ok, hein, j'ai juste pas eu de chance. Très bien. L'enfer à l'époque où il y avait plein de gens. Que du magnifique. C'est comme moi avec mes ex. C'est triste, mais terriblement réel.
Ah bah quand même. J'ai dû revenir au même spot pour avoir ce qui ce qui était racheté. Quitter en monture volant, c'est trop un bon plaisir. Déjà, revenir juste à pied quand tu meurs, c'est la galère. Sans repos. Ah, c'est ça. C'est ça que j'avais vu près des triangles. Ah, forcément, le mec de l'Alliance, toi, mais c'est... Ah, c'était quoi la proba, quoi? Putain, j'aurais pu la faire avant, en plus. Je pensais que c'était une des quêtes que j'avais en mode. Oh, les bâtards. Au milieu des mobs. Qu'est-ce qui est arrivé à votre ami? Qui ose m'invoquer? Torghos. J'ai déjà buté lui. J'ai déjà buté lui, je suis sûr. Oh, Chiloun, sombre engeance. Ah, j'aurais dû le faire au passage, celle-là.
pendant que je faisais tout le reste. Je l'ai pas fait. Donjon, c'est un peu plus dur, hein, par contre, sur Burning Crusade, de trouver. Autant quand t'es 58-62, je trouvais que ça allait très très vite. Mais là, on est en week-end. Ça va faire une heure qu'on est en queue. L'étau se resserre au niveau des niveaux et c'est plutôt compliqué. J'espère que ça s'inversera. Je sais qu'il y a énormément de monde sur le serveur. C'est pas réellement une peur de me retrouver seul sur le contenu late game. C'est que le contenu late game va falloir le faire. Va falloir le faire quasiment solo. Bon, ça va, je joue démoniste, mais en tant que paladin heal, je me souviens que ça m'avait. Ça m'avait découragé de ouf. Mais j'étais quand même monté 73, 14, quelque chose comme ça. Quand t'arrives dans la zone où t'es le cas, je parle en niveau donjon, c'est déjà plus. C'est une nouvelle tranche de niveau où il y a des gens qui galèrent depuis très très longtemps. Donc c'est bien. C'est bien dans le sens où. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse pour une mort? Dans le sens où tu trouves très facilement des gens. Par contre, la difficulté des donjons est vraiment infecte. Parce qu'on passe d'une extension passée à une extension actuelle. Et ça n'a rien à voir. Tu vois là c'est là. Là, je bande. Et ça, normalement, faut monter à pied pour le faire. Oh là là. Ça aurait pu être un drame. Oh, on me dit pas qu'il y a une quête d'escorte. Ce que je viens de faire. Je pense qu'à l'époque de Burning Crusade, c'est le genre de truc qui te prenait 3 heures, ce genre de quête. S'il fallait tout faire à pied. Elle du ciel, il y a un piou-piou qui nous inquiète. Escorté. Ah non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais juste non. Et j'ai oublié d'éteindre un feu. Grotte du temps. Alors ça, je crois que j'ai jamais fait. Ça, je n'ai jamais fait, mais genre, pas une seule fois. Ah, merde. Ah, mais si, c'est le truc où on revient dans le passé ou je sais pas quoi. Je vais littéralement jamais équiper. Ah si, c'est ce que je crois, c'est trop bien. Illusion maître sur mon humain. Si c'est le truc dans lequel on revient dans le passé, faut suivre Arthas et tout, j'avais adoré. Je me souviens plus à quelle occasion. Là, en fait, c'est le moulin de Taran, mais c'était avant les morts-vivants. Et en fait, faut changer le cours du temps ou je sais pas quoi. Avec Arthas, où justement il y a la grande purge et tout. Mais ils s'étaient fait chier, hein, les développeurs, c'était trop cool. Mais putain, je sais même pas, j'ai aucune quête et tout. Moi, j'ai juste tapé. Donjon aléatoire Burning Crusade. Je sais pas du tout où. Enclose Esclave Pasteur Bière, Tomba d'un Crypto Shinai. C'est peut-être l'évasion de Fort de Durne. Ça me dit rien. 64, 73. On est tous 66, 67. Ah, mais la musique était trop bien. C'est pour ça que je m'en souviens. Fort dur. Ouais, c'est ça, c'est ça.
me rappelle plus du tout du contexte. Mais absolument pas. Tiens, elle est pas transformée en humaine. Parce que c'est une humaine. De base. Master de Stormguard. Mais c'est pas là. Ah mais si, c'est pas le truc avec Chromie. Je crois que c'est le truc avec Chromie. Oh, je me souviens plus, je suis désolé. Pour ceux qui connaissent le lore, je dois vous rendre fou là ce stade. Moi je suis le groupe, franchement, à ce stade. Ah oh putain, je me suis transformé en démon, je me suis fait OS Insta. Putain, pourquoi ça a pas paqué? Tant qu'il est parti à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Peut-être un objectif. Oh non, on me dit pas qu'on va wiper la première fois que je fais ce donjon. Oh, ça a l'air d'être bien parti pour. Oh ouais. Réputation auprès de gardien du temple, il y a moins que ça. Est-ce que c'était pas le donjon qu'il comptait faire à Tanaris là? De base, les grottes du temps. Parce qu'ils avaient tout prévu, il y avait même le portail et tout. Et tu pouvais y aller en raquant un peu sur Vanilla. Ils peuvent arrêter d'attirer de nouveaux mobs. Parce que là, ça y est, le train, il a plus de mana. Ouais, minération. À un moment, il va plus avoir de mana. Prêtre Shadow qui a fait des petits tics de heal. Ça vous éclatez. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Hein. J'avais pas du tout vu le jeu de mots sur le nom du tauren parce que je croyais que c'était une autre classe. Il s'est appelé Braukaulis.
Bombe incendiaire replacée. Ah, faut faire sauter toutes les... Ah, c'est pour ça qu'il voulait absolument aller à l'intérieur, c'est ça? Non. Tous nos requins. C'est ça, ouais. Ça, il tenait absolument à clean. Oh là, le fier tellement casse-couille. Dans votre cas alors le truc avec avec Arthas, mais oui, mais je suis trop con, mais... c'est obligé. Ils ont fait ça, mais j'étais pas au courant qu'ils avaient fait ça avec Fordurn dans Burning Crusade, parce que je précise ne pas avoir fait la sortie ni jouer Burning Crusade quand c'était l'extension actuelle. J'ai fait classique et BFA, donc il s'est passé des choses. Hein. Ou 78 000 HP, quand même, pas mal. Dans ces orques là, d'accord. Putain, je suis obligé de ressortir une autre monture parce que c'est la volante qui est liée. Moi. Faut attaquer le donjon maintenant. Faut attaquer le donjon. Petit pack là, on va les laisser prendre la roue doucement. Et ensuite on va faire les flammes infernales. TBC, ça a dû mais ruiner des ça a dû faire wiper des groupes, mais comme pas possible ça. Oui, mais si, je l'ai déjà fait, c'est juste c'était il y a une éternité ce truc là. Je l'ai fait avec tout mon premier je l'ai fait avec mon premier ah oui, ma paladine heal. Oh, ah oui, je l'ai fait qu'une fois ce truc là.
mes oreilles. Fais ton œil, connasse. Je crois qu'il y a un léger bug, j'ai un doute. Très léger. Ah, le... Oh, cette petite douleur à l'anus là qui me lance. Il nous a pas aidé de tout le fait ce fils d'up en plus. Putain, mais moi j'ai pas mis de raccourci. Ah non, ça va pas être ça à chaque fight, s'il te plaît. C'est insupportable, putain. Oh là, entre les fiers trolls qui déconnent et qui a pas pris ses médicaments. Putain, le pire c'est quand il y a une fois d'expérience. Ça c'est vraiment terrible. D'autres poules connards. Chercher d'autres connards à poules. Putain de merde. Il n'y aura jamais rien d'autre. C'est quoi cette voix ultra cheesy là? Même moi avec ma voix claquée au sol de cancéreux, là, j'aurais pu mieux faire ça. Putain, c'est une masse, ta mère. On fait comment quand lui il est mort? Ah putain, Dieu merci, on a un prêtre en... On a un prêtre en DPS, du coup il va pouvoir raise. Parce que je me sentais un peu con en tant que démoniste. Brrra. Très bien. Moulin de Taren se trouve plus à l'ouest. Mais quel connard, il a lancé le truc. J'espère qu'il sait ce qu'il a lancé, parce que si c'est un fight, on n'est pas du tout prêt. On n'est pas encore buffé et tout.
mais ça fait une éternité que j'ai pas fait ce truc là. Pour dire, je pensais l'avoir jamais fait déjà quand on a commencé. C'est... Putain, ça doit faire plus de 4 ans. Ça doit faire. Ouais, alors, je dirais plus de 4 ans, ouais. Tiens, là, cette fois, il se bat. Tiens, donc. Un paysan. Je suis un barbare, connard. Aucune différence. Je crois que c'est ça la différence. C'est parce qu'il lui met un pain dans la gueule pour tous ceux qui n'ont pas compris la référence à Donjon et le Bug. C'est vieux ça aussi. C'est très très vieux. Écoutez ça au collège. C'est très très vieux. Ah oui, d'accord. C'était quoi cet angle à 90 degrés qu'il a pris là? Ils ont même pris le temps de copier même les genre les gueules d'acier, les petites araignées à la con là qui sont sur le côté. Mais on va pas se battre contre un dragon? Oh, je sais plus. Parce que il y a un dragon au bout dans le jeu de dans Vanilla. Je sais plus. J'essaie de me souvenir c'est quoi le boss de fin en fait et je vois pas du tout. Ça va être un humain du coup dans Moulin de Taran. Non? Je sais plus, ça m'a pas du tout marqué, c'est pas un truc fou. Ça m'a pas du tout marqué si un boss. Moi je lance pas, hein. Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. L'Octar, voyageur. Qui ose m'invoquer? Mettre le feu, non? Alors, Airbag, ferme ta gueule, Tral! Pas sa femme. Raisonner une puissante force. Oh, moi je sais plus. Il donne pas d'expérience, t'es sérieux. Mais ça c'est vraiment du chier par contre, celui qui a eu. Ah, il y a bien un dragon. Hein.
tape comme un camion, Tral. Il tape du 900 000. Du 900 à 1000. C'est grave. C'est grave long, on gagne pas un point d'XP. J'espère que on doit le faire une fois ce truc là parce que. J'ai ni le buff du druide, ni le buff du prêtre. On m'a désenchanté ou ils l'ont pas fait? Parce que moi j'étais mort dans la prison. Putain. C'était super long et la récompense, franchement, ça valait pas du tout le coup. Que ce soit l'expérience ou le loot, en fait, on a eu que le truc du donjon. Mais ça, faut. Ah non, mais moi je veux pas faire ça. Hein. Enfin, je veux pas refaire ça. Ah, ça vaut clairement pas le coup. Hein. Ah, c'est une perte de temps. Profiter pour aller me laver les dents parce que je voulais pas être impoli et FK en donjon. Je vais en profiter pour pisser, je reviens.
Bon. Quand même. Re les amis. Bon, bonjour à toi. On veut tout sauf l'évasion, parce que j'espère qu'on n'a pas besoin de le faire. On peut pas retomber dessus plusieurs fois, mais je quitte le donjon si ça arrive. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un donjon, c'est un truc scénarisé. Bon. Détail qui nique tout. Les dévastateurs, il faut que j'en fasse plus. Ils sont là-bas, les dévastateurs. Merde, y'a un mec qui l'a fait. Ça c'est pas cool. T'as pété mon groove. Qui va tenter de m'enculer. Non. C'est vraiment les steps infernales où vraiment le PVP est omniprésent, je sais pas pourquoi. Ah, c'est madame qui demande des nouvelles de moi, c'est pas... Ce n'est pas madame Baldur's Gate 3. À ma grande surprise. Ah, je vais répondre après le stream, hein. Je suis concentré sur un truc. J'ai déjà commis l'erreur de faire
d'une fille, une priorité, c'est une terrible. Ne faites jamais ça. Conseil d'amis. Conseil de mec qui s'est fait ruiner la gueule. En espérant que ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Ne faites jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, c'était loin d'être la première copine, parce qu'en général, les gens qui commettent cette erreur, c'est leur première copine. Mais bon, je suis un sentimental, je me suis fait avoir. Comme un gros bleu. Bon, ça, j'ai pas perdu d'argent, j'ai pas eu de gosse avec elle ou ce genre de truc, parce que ça, c'est les trucs qui te pourrissent la vie. Ouais. Indéfiniment, une fois que tu te sépares. Et puis alors, le pauvre gosse qui est coincé au milieu. Ah, moi, j'ose même pas imaginer. Ouais, dis donc, les dévastateurs, c'est un peu casse-couille. C'est toujours ceux qui te demandent le plus qu'ils en foutent le moins. Ça, c'est vraiment pour forcer les joueurs... dans une zone pendant un petit moment, créer une durée de vie artificielle. Voilà. Et encore, là on est tout seul. Imaginez à l'époque de Burning Crusade, quand il y avait 800 000 personnes. Non. À l'époque, je sais plus c'est venu quand les layers. Oh, les layers, je crois que c'est venu genre sur Kata et tout. Je sais pas. En tout cas, ça existait pas, moi, à l'époque où j'ai fait les serveurs privés, etc. Les layers, en fait, c'est peut-être venu après. Ou était le cas. Quand c'est foutrement rien. Ok. Tome des Arcanes, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que j'ai pris cette quête. Tenir boîte scellée. Je vais suivre les petits quest helpers. Des mails de l'HDV avec des monnaies. Ah bon. De temps, si tu fais toutes les pages, celles qui sont en stockage à mettre du temps à apparaître, c'est peut-être pour ça. Il me semblait avoir tout vidé. Ça fait très longtemps que je suis pas allé à HDV avec Démonia, c'est pour ça que ça me surprend d'avoir encore du courrier non lu. Obtenir un boîte scellée. Qu'est-ce que c'est agréable de quitter à cette vitesse, quoi. Ah. C'est de la folie. Tiens, il y a l'alliance qui a pris la tour des esprits. Tiens donc, Caroline prend de la drogue.
après moi j'ai eu l'expérience en tant que healer. Est-ce qu'en tant que DPS on va galérer de ouf sur Wotelka? Parce que je me souviens qu'en tant que healer, ça allait très très vite. Mais de toute façon, c'est toujours la dèche au niveau des healers. Mais sur Wotelka... Je sais pas. Ezekiel. C'est à qui que je dois valider la quête là? Trouver Ezekiel dans la ville de Châtre. Ah hein. Il est là-bas, d'accord. Il tourne, c'est pour ça, il est au centre. Joueur suggéré 3. Tabasser Dirty Larry, lui soutirer des informations. J'ai un peu peur. Vu du fait qu'il est joueur suggéré 3. 2, c'est faisable avec le grand regard. Merci les démonistes. Dirty Larry. Merde, pas du tout ici. Hein. Dirty Larry. Ah, 25 000 points de vie, d'accord. Ça va, hein. Merci le grand regard de nous qui arrive à cette vitesse-là. Je peux vous aider. Prenez soin de vous. Pitié, pas le donjon de... Pas l'évasion de mes couilles, là, de... Tout sauf ça. Ah, je l'ai déjà fait celle-là. C'est pas spécialement long, en revanche c'est dur. Allez, plus de dégâts, ma gueule. Alors, je me souviens que les nécromanciens sur les dernières salles juste avant le boss, terrible. Terrible. On a wipé genre 3 fois dessus la dernière fois que je l'ai fait avec un groupe. C'est vraiment infect. Thank you.
Vous avez choisi la mort. Non, t'es sérieux? Putain, au moment où je lance femme infernale. J'avoue, parce que pour le temps qui a limite, on nous un peu bat les couilles. Et encore, je suis démonie, je perds beaucoup de points de vie, donc je me fais sourire, donc quand même un intérêt. Bah alors, le temps que le mec il prend 8000 à la seconde. Effets de soins sont réduits de 345. Ça a pas du tout baissé mon heal de drain de vie, je trouve ça étrange. Et ces merdes d'âme rageuse là, à repousse, c'est chiant, c'est pas forcément un problème. Le problème en revanche, c'est qu'elle respawn. Et entre chaque wipe, il bah, y a un moment, c'était fait choper comme des merdes. Alors moi, je suis pas mort perso, mais j'ai vu deux personnes mourir devant moi. Et c'était très drôle. Wait. Il y a un attardé qui a klaxonné dans la rue, c'est pour ça que j'ai fait ça. Lui, il a 0 mana. Thank you.
Merveilleux. Et je viens seulement de le réaliser, genre maintenant. Voilà, c'était sur eux qu'on avait wipe. J'allais dire si. En fait, je m'apprêtais à dire la phrase. C'est maintenant, on sait si le temps fait, c'est ce qu'il fait ou pas. La réponse est non. Et voilà, et on wipe exactement sur la même salle. Alors, le healer a une pierre d'âme. Fort heureusement, j'ai eu l'intelligence cette fois de le faire. Avant que le drame arrive. Comme ça, on évite un wipe avec le retour cimetière et tout. Alors ça, dans le genre perte de temps, ça m'étonnerait pas qu'on re-wipe dessus. Parce que la quantité de squelettes est relativement phénoménale. Et surtout inattendue. Enfin, j'aille me rechercher de l'eau. J'avoue, on a un mage, pourquoi le prêtre... Non, c'est un paladin. C'est un paladin. Pourquoi est-ce que le paladin a pas de... a pas d'eau du mage, quoi. Mais ce connard de mage qui a préféré revenir à pied, alors que... Ça me saoule. Ça me saoule quoi, les gens font ça. On a indiqué qu'il y a un héritage et pourtant c'est fait balayer comme des merdes. Prends l'eau et bois la putain. Le mage, putain de merde quoi. Tu sais, le mec qui a le plus d'AOE quoi.
Et le mec qui est censé donner de l'eau au heal pour éviter ce genre de moments étranges là. On attend comme des cons pour aller. Ça se passe très bien là. Pourquoi ça a pas roulé comme ça tout à l'heure? C'est interdit aux extérieurs. Bon, en vrai, j'ai pris giga cher, mais tout a été balayé. Allez, mon pote, tu clignes à droite. C'est bon, moi j'ai fait mon taf. Ce boss, il est pas. Ouais, il est pas fou de mémoire, il a rien de. De très spécifique. Par contre, ouais, les nécromanciens qui sont avant. Waouh! Déjà c'est un mauvais signe. Oh, ils sont devant le boss. Oh, alors ça c'est le potentiel est fou. Bon, ça a l'air de se passer. Tant qu'il est un peu faible. Je trouve qu'il se fait pas mal défoncer par le boss. C'est peut-être pour ça qu'il y a un rage quit. Peut-être que le mec devait juste se barrer. C'est aussi possible. C'est trop bien. On a complété un donjon parce qu'on a piqué une place de quelqu'un qui a dû partir ou qui a rage quit. Trop bien. Eh ben ça c'était un donjon rentable.
très très rentable, je dirais même. Ah non non non, ah je me souviens, je l'avais abandonné celle-là. Les amis perdus. Si si, je l'avais abandonné parce que c'était de la chasse. Fallait choper, fallait farmer pendant des heures des clés là. Non non, c'est cancer. Faut le faire 12 fois. Genre ça aurait été 2 ou 3. Oui, mais non non, celle-là je l'avais abandonnée. Il y avait une raison pour. Ah non, c'est bon, j'ai le dixième. Oh yes. Sympa comme tout. Zone au Shindu, non? Plusieurs donjons en fait, on est là. Enfin, c'est là où il y a la tombe Mana et la Crypto Shenai qu'on a fait. Faites deux. Oh, je perds beaucoup d'endurance et d'esprit. Mais vas-y. Plus de puissance des sorts, j'approuve. Le marchand veut pas vendre. Nick. Toi. Ah, j'ai pas refait le lien spirituel. Quand j'avais réinvoqué mon grand regard. Oh, la boulette. Attends, mais faut que j'aille voir un marchand parce que j'ai 13 emplacements, c'est pas possible. Oh la vache, on a 1115 PO. Nique sa mère. Faut encore buter un paquet de mobs.
Heureusement qu'on est DPS, quoi. Heureusement. Squelette de roue. Ah, il y a des squelettes exacts. C'est moi, il y a très peu de squelettes comparé aux esprits. Quelqu'un qui avait tout clean. Hein. RMH 70, mais qu'est-ce qu'il fout là? Drainer de la vie à un mort-vivant en tant que démoniste, hein, tu sens que c'est un MMO. Hein. Jamais de la vie ce serait autorisé ce genre de truc.
esprit. Et puis de putain de squelette de merde. Ah, t'es servi, il faut un silence. Et je me suis jamais fait silence tout à l'heure. Trop bien. Certes. Il va manquer un squelette et nique-toi. C'est un esprit. Ok, ma caméra qui s'est... Enfin, ma souris qui s'est barrée en couille. Je... Non, c'est un niveau 80. Ok, lui il vient farmer, je sais pas pourquoi. Il me manque un putain de squelette. Mais what? Mais il y a des quêtes ici, the fuck? Les Naru ne nous ont pas oublié. Que la fortune soit avec vous. Arcanon Force. Salut. Oh non, c'est une quête d'escorte. Merde. Pourquoi je l'ai prise? Je suis trop imbécile. J'ai jamais fait cette quête. Je savais même pas que ce camp de mecs qui donnait des quêtes existait, c'est pour vous dire. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Donc des sables. C'est quoi d'abord ce truc le 20e siècle? Cousin d'Arthas.
Oh, ça va, c'est une quête d'escorte ultra gentillette. C'est même pas une quête d'escorte pour moi, c'est juste une quête scénarisée à ce stade. Carcasse de cribleur des ossements. Gnome des sables, d'accord. Pas mal la blague. Il manque un squelette. Oh, je crois que je vais l'abandonner, cette quête, elle me casse les couilles. T'as un verre sur 5. 5 essais. Et quand le verre tombe, il te donne pas le loot. Non merci, ça sera sans moi. Thank you.
putain, mais il est là-bas, je suis trop con. Ils sont 70. Vous êtes sûr de votre coup là? La défaite pour la Légion. Un sur six. Complètement chiant comme quête, dis donc. C'est une quête que je vais terminer off stream vu comment elle est ultra longue et chiante. Là, typiquement, c'est le genre de quête, tu vois, faut faire autre chose pendant que tu l'as fait. C'est du chiant crevé. Hein. De jouer au loto en boucle jusqu'à ce qu'il y ait 6 fois le même numéro qui tombe, c'est pas intéressant.
je mets rien dedans, c'est quoi l'intérêt? Oh, c'est super chiant. Oh, c'est ultra chiant. 1 sur 6. Autant les veuves 20, ça se fait. Parce que j'ai déjà vu d'autres scènes où il y avait des veuves. Pierre, tu reviens, c'est pas la mort. Par contre, les. Les guerriers libérés, là. Non. Les araignées. Peut-être prendre un niveau. Hein. On a commencé, on était à. Au début de la barre d'expérience. Hop, allez, tu me vires ça. Et on va aller voir ailleurs si j'y suis. En plus, j'ai plus d'eau, donc c'est bien, on arrive au bout du stream. C'est parfait.
30, 40 tout là. Et un boss araignée. Oh, à l'aise. Oh, même pas de loot, sérieux. Oh. Ça, sans pet, ouais, non. Juste non. Allez, je te l'ai fait, les trois joueurs, moi, avec le gang, regarde. Il est parfaitement équilibré. Ok. Est-ce qu'il a 527 000 XP? C'est un peu long maintenant. Que la fortune soit avec vous. Bonne santé, longue vie. La fin de la légion. C'est le niveau 67. Encore des choses à faire. Bon, malheureusement, c'est la fin de ce stream, les amis, et également de cette VOD. J'espère que ça vous aura plu. C'était la chaîne Fer, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche. Allez, tchou tchou, à la prochaine.